Salut Rémi, comment vas-tu? Salut Jérôme, ça va bien et toi? Donc Rémi Melay, tu peux te présenter un petit peu par rapport au club notamment du Réveil Chambonnaire? Eh bien voilà, Rémi Melay, je suis joueur du Réveil Chambonnaire mais également président. Tout récent, puisque j'ai pris la place de Frédéric Marcelier il y a 6 mois à peu près. Donc voilà, je suis président du Réveil Chambonnaire tennis de table. Et t'attaques direct par une compétition nationale du coup? Ah bah, il faut autant être dans le grand bas tout de suite. Comment ça se passe cette compétition? Pas mal de stress, beaucoup de préparation en amont. Ça fait faire 6-8 mois qu'on prépare la compète. Mais comme on a une grosse équipe de bénévoles au niveau du bureau et du club, bah ça se passe vraiment bien. D'accord. Il y a d'autres événements qui sont prévus là pour le club? Alors, on en a eu par le passé. Donc là, c'est les championnats de France en e-sport multicatégorie. Et puis pour le week-end de la Pentecôte, donc dans quasiment 2 mois, on organise l'Iron Ping, un gros événement de tennis de table. Donc c'est 20 heures de tennis de table non-stop dans le même gymnase, le complexe GA1, avec les mêmes tables, les super aires de jeu. Voilà, donc dans une super ambiance, avec des super conditions et on espère des super joueurs. D'accord. Pour nous présenter un petit peu plus le club, combien il y a d'entraîneurs, on s'entraîne sur combien de tables, si tu peux nous expliquer un petit peu les entraînements sur le club. Alors, comment on fonctionne? Donc nous, on fonctionne par plage horaire de 2 à 3 heures d'entraînement. On met en place 2 à 3 entraîneurs par session d'entraînement. On est capable d'accueillir une cinquantaine de joueurs par session d'entraînement. Donc à peu près 25 tables. Donc ça c'est super sympa. Du coup, ça veut dire que tout le monde joue ensemble. Autant les jeunes en loisirs, les jeunes en compétition, les adultes en compétition. On joue tous ensemble pendant le même créneau horaire. Du coup, ça permet des échanges entre les séances. Ouais. Et une super dynamique, exact. Ouais. Et les objectifs du coup pour la saison prochaine? Les objectifs, d'un point de vue licencié, maintenir le nombre de licences qu'on a. Et voir pour augmenter la partie licence compétition. Donc ça, c'est d'un point de vue typiquement licence. Après, au niveau performance, on a plusieurs équipes en régional 1. L'objectif, c'est qu'elle atteigne la pré-nationale. Donc pour l'instant, c'est en bonne voie. On se revoit dans un mois et demi pour valider ça. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. De rien, Jérôme.